Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au match Laval-Adriatico. Le 12 janvier 2024. Come on. C'était con comme expulsion, ça, mais... C'était pas une expulsion, en fait. Une game qui devait avoir lieu à 6h30. 1h24 de retard. Donc, 7h54. Premier man down, c'est bien passé. Aucun but. Faut que Gab en aille trop. Oh, il arrive tout seul en avant. Let's go, Gab. S'il va être fâché, il va faire un beau but. Ouh. Ah, ben oui. Je suis un peu haut, ma bête. La passe à Francis qui a causé une expulsion. On est en avantage. Gab Ryan. De retour à Gab. Gab passe à Wavins. Vince avec le shot un peu trop haut. Les passes étaient quand même belles. Donc, après review, la vidéo de ce matin, on m'a conseillé de garder ce zoom-ci pour le match. Pour avoir un meilleur vu d'ensemble de ce qui se passe. Mon Gab qui avance avec la balle encore. Araya. Ah, ouh, Francis au centre. Yes, une autre expulsion au centre. Let's go. Deux en deux, on aime ça. Vincent avec les grosses, grosses feintes. Araya. Cross-court de Nick. De retour à Araya. Qui rentre. Ah, Nicky échappe la balle. 13 secondes. L'avantage est fini. Le gars est encore dans le coin. Oh, shot de Ryan. Un beau but. 1-0 Laval. 5 minutes 56. Start. Ah oh oui, bien indégable là-dessus. Là. Pas de deuxième expulsion, c'est ce qu'il faut. Il y a une game qui joue dans l'autre bassin, donc on entend d'autres coups de sifflet et d'autres cris. Rajoute en haut, challenge de notre game quand on est dans l'eau d'entendre tous les sifflets. Il faut être attentif, s'assurer que c'est bien nos sifflets qu'on entend et pas celui de la game d'à côté. Ouf. C'était qui ça? Ah non, il a échappé de l'autre côté. Let's go Adrien. Delayed call là-dessus. Donc là, 5 mètres. Let's go, Adam. Confiance à toi. Save. Keeping it 1-0. L'extra en ce moment. Adrien qui avance, donne à Vince. Vince fait à gauche à Raya, il fait la passe ensuite. Ah. Let's go. Ah. Non, un
autre counter de l'autre côté. Ah ben non. Ah ben non, il y avait deux mains dans les airs. Il y avait deux mains dans les airs. Come on. Le gars, il a pris le coup à Adrien. En plus, on a bien vu sa main. Une main blanche contre le balzané Adrien. Let's go, Adam. Un autre beau save comme t'as fait. Let's go, Adam! Oui! Wow! 2-2, Adam! My boy! Un autre extra. Adrien va pas se faire avoir cette fois-ci. Il reste en arrière. Il laisse le 5 contre 5 se jouer. Jack fait la passe à Frank. Il y a d'autres sujets qui se passent, fait que tout le monde est confus. La faute est donnée. Trop de sifflets en même temps. Ah ben non. Hey, come on, donne-y une chance, il y a trop de sifflets, on ne comprenait rien, Chris. Big bloc de Gab. Il y a qui descend en bas. Vince est bon dessus. Alright, revient pour le Gap encore. Un peu plus sketch maintenant. Ouf. Bien joué, bien joué. Il reste 14 secondes. Ah, ben non. C'est une belle défensive là-dessus. Stéphane ira en ta place d'Adrien. Gab à Stéphane. Attention Stéphane. À Gab. À Vince. Vince qui a très bien joué ce matin, je suis étonné de le voir dans l'eau. Étonné, mais over. On va espérer que ses blessures ne font pas trop mal. Tu ne vas pas l'empirer surtout. Let's go, let's go, bien joué. Expulsion, numéro 4 blanc. 5 contre 4. Gab avec la balle, il rentre. Passe à Raya. Passe à Vince. Let's go Vince avec le but. Donc 2-1. 2 minutes 36 restants. Serré, Stéphane est en train de freiner assez bien. Non, il y a des passes faciles, là. Il faut faire attention, mais là c'est pas facile. Qui a flippé par-dessus le but. Stéphane Plano qui rentre avec la balle, prend sa faute. Comment placer les boys, c'est quoi ça? Hein? Pff,
Frank qui prend la faute, passe à Raya. À Théo, Théo qui feinte, oh, flip shot. Deuxième expulsion, let's go. Mais plus que le deuxième. Là. Bien joué Nick, qui fait la passe à Steph. À Vince qui fait une grosse feinte, à Raya. Cross-court à Steph. À Frank. À Raya. Ouh, parce qu'il a intercepté celle-là. L'avantage est fini. Ah, Stéphane. Ah. Pas le sérieux comme shit, ça. Yep, mais c'est Schmucky qui est en train de sortir. C'est Gab qui est en train de sortir, en même temps qu'il m'a, le ref il a montré le numéro 12. À moins que j'ai mal. Non, c'est ça. C'est ça, c'est le 12 qui est sorti. Et 14, oh my god, impossible. Bref. Donc on va être en double désavantage. 6 contre 4. Come on les boys. 35 secondes au corps. Le cas de Tough It Out 2-1 ou ils vont l'égaliser 2-2. Oh oui! Ben oui! Live to see another day. 2-1 encore. 19 secondes restantes. Oups. 9 secondes restantes au corps. Adam qui monte. Let's go Adam. Oh, un sneak attack. Gab tout seul. Ah non. Deuxième corps, la balle Adriatico. 2-1 pour Laval. On espère qu'ils vont pouvoir garder leur rythme pour encore une bonne partie du jeu. Ce matin versus Camo, le premier corps a été assez impressionnant. Oh, Vince avec la contre-attaque. Let's go Vinny! Let's go Vinny! Ah! Dommage. C'est un bel essai. Encore une fois, je suis étonné de voir Vince dans l'eau. Théo avec l'expulsion parce qu'il n'a pas laissé assez d'espace. Un coup de bras dans les airs, on aime ça. Ça va les boys. Ah. Je pense que Gab l'a touché là-dessus, qu'il l'a dévié dedans. 2-2. Donc on
Pierre Beausson qui s'est un peu risqué. C'est en troisième. Troisième expulsion à Gab. Il est là. Sprint, 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 sprint. Oui. Merci. Merci. On va essayer de caler un timeout. Les refs n'ont rien vu. De retour de nos pubs publicitaires, de nos, notre arrêt publicitaire, notre pub publicitaire. Pas un temps d'avantage, Gab. Gab est dans l'autre. Je pense que Gab avait son. Il avait pas trois expulsions, Gab? Guess not. Ou il faut un mauvais suivi, je sais pas. Il me semble qu'il y avait eu le double expulsion tantôt, qui en faisait partie. Avant ça, un au centre, puis maintenant il venait d'en avoir un aussi au centre. D'après moi, c'était trois, mais tant mieux si c'est pas le cas. Merci Crossbar pour cet arrêt. Aidez la balle les boys. Adam à Frank. Donc il cherche, fait la passe à Ryan. Fait la passe à Théo. Théo à Adrien. Pense à faute. Oups, je suis un peu haut, ma bad. 3 secondes. Je sais pas si c'était cadré, mais... Array, il est juste chou dans le side. Parce qu'il restait plus de temps. Ah ben non, ben non. Il se regarde même pas. Tu peux pas kick out quelqu'un quand tu regardes pas, là. Tu es en train de parler avec Chris de table. C'est ça, tu niaises. Je sais même pas ce qui s'est passé les gens. Merci. Au moins avoir les 2 mètres. Au moins. Frank était bien placé là-dessus, puis Kate, ballon par-dessus le dos, Josh. Je vois pas l'expulsion là-dedans. Elle a le voir en regardant la table. Ah big, come on Denis. Adriatico, oups. 3 minutes 19 restant encore. Thank you.
Stéphane, à Vince, à Ryan. Ouais. Je vois sa faute. J'ai mis la balle en jeu. Je cherche la passe. Je passe en arrière à Stéphane. Je vois sa faute. Donne à Gab. Gab prend sa faute. Il reste 6 secondes. Gab va chuter. Denied. Un peu plus rapide, Gab, il aurait pu l'avoir, je pense. La reprise du ballon, je parle, pas du touchette nécessairement. Ah oui. Over the net. Let's go. Extra, guys. Extra. Come on. Madame à Gab. Nico. Nage, Nico. Nage, Nico. Secondes pour se placer quasiment là. Donc Gab qui passe à Théo. Théo de retour à Gab. Skip shot. Non. Gab il pensait un 2 mètres mais non, c'était clairement crossbar. Là. Le petit bruit qu'on a entendu. Deux minutes restant encore. Let's go, Vince. Encore une fois. Vincent encore dans l'eau. Puis agréablement surpris de le voir. J'espère que... Ah oui. Merci, Poteau. J'espère que c'est pas au dépend de ses blessures. Vincent à Théo. Théo qui cherche sur sa faute. Ah oh oui, avantage. On se repasse Théo Stéphane. À Gab, à Stéphane. À Gab encore. À Théo. Let's go Théo. 3-3. Ça me dit durée d'enregistrement atteint. Je sais pas ce que ça veut dire. On réessaye. Bien joué les boys. Denick, Araya. Ah. C'est un beau tir ça. Il reste 14 secondes. Secondes, il prend le shot. Ouf. On est au troisième corps. De Vince. C'est 3-3. Pas mal meilleure partie que ce matin. On va espérer que ça continue comme ça. Juste maintenir la cadence et prendre le dessus. Oui. Ouais, quel est le ballon dedans? Mon collègue ici, c'est quoi? Ça, c'était plus une expulsion, je trouve, qu'il y a Francis tantôt. But, that's my personal opinion.
60 de la part de Vincent. Counter-attack. Il n'y a pas beaucoup de temps restant. J'essaie d'économiser le temps d'enregistrement parce que ça semble me bloquer. On vince au centre à Francis qui passe à Théo. Let's go Théo. Oh oui! Let's go! Assisté par le défenseur. C'est rendu 5 à 3. Ah ben ouais. Il manquait un but, on dirait. Oui. Bien joué. Gab qui monte avec la balle. Côté Araya, il est tout seul. Oui, let's go. Let's go. C'est fort. Donc, c'est 5 à 4. Stéphane avec l'exclusion pour le 5 mètres, malheureusement. Stéphane qui comment pas le mec. Ah. C'est 5-5 maintenant. Mauvais passe. Contre-attaque 4 contre 3, 3 contre 2. Bien joué Stéphane. Stéphane qui a deux expulsions, je crois. Oh oui. Très bien, très bien. On a un extra. On a un extra. Le blanc est là en arrière. Alright, il prend son temps. Il laisse le rattraper. Il reste 12 secondes aux 30 secondes à l'attaque. 6 secondes de Nick avec l'échelle. Voilà. Nous sommes de retour après le time-out. En désavantage, discussion de Francis. Il reste 3 minutes 39 au corps. Le troisième corps. Oh, nice! Bien joué, Stéphane! Semi-underwater, but whatever. We'll allow it. Frank from Tom. Ah, ben, Gab, en fait. I bet. Il
la table connaît pas comment ça fonctionne, les petits drapeaux pour le timeout. C'est passé depuis tantôt, mais personne ne sait comment l'utiliser. Je pense que la ref suivait la game. On va y donner ça. Avantage, let's go. Gab à Nick. Nick à Ryan. Ils sont serrés sur Stéphane, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que Stéphane, c'est une menace. Yes, sir. C'est pas trop ce qui s'est passé. Ah, ouais, c'est underwater. The rest of you are underwater. Okay, on turnover. On est en excès. Stéphane va avancer. Connaissant Stéphane, est-ce que c'est quelqu'un derrière lui? Il va se faire avoir. Ah, non. Let's go. À Théo. Ben oui, Théo. Take the lead. 6-5 maintenant grâce à ce but. Malheureusement 5-5 avec ce tir de pénalité. 6-6, pardon. Il reste 1 minute 50 au corps. Gab s'est fait faire un turnover. Une offensive. La contre-attaque. Let's go. Oh oui, shot outside, just wide of the net, on aime ça. Un petit extra, Madrien stay behind, fait que ça veut jouer 5 sur 5. Oh, c'est dégâlé. Quelque chose s'est passé au centre, j'ai pas vu, on va peut-être voir sur la vidéo. Gab semble avoir fuck up le petit numéro 2. Il se tient le visage. C'était beau ça. Belle passe de Nick à Ryan pour la petite déviation de tip-in. Malheureusement, pas une crossbar. Le jeu était bien intentionné par contre. Beau save de la part d'Adam. Un très bel arrêt. Adam qui monte, il reste 24 secondes. Au corps, 19 à l'attaque. Et bien, il est fâché. Le donner la mise à Gatico. Nous voici au quatrième quart. 6-6. Un match assez serré. Fait changement de la game de ce matin. Ça va vraiment faire du bien au moral de tous. On va espérer maintenir cette cadence. Ouh, ça c'était peut-être. Bien joué Adrien. On a un extra en ce moment. Théo stay back pour Adrien. Flip shot over the net de Araya.
la secondaire d'attaque. Vincent encore dans l'eau. Oh, come on. Un timeout, ça? Ah, c'est un timeout. De retour suite au timeout et l'expulsion de Raya. C'est 7-6 pour Adriatico. Stéphane à Vincent. Vincent qui passe en bas. Araya. Oh. Expulsion du numéro 2. Encore une fois. Le temps roule pas. Ah, ils ont passé le temps. Un petit avantage pour nous de quelques secondes. Oh wow! Vincent, Théo pour le goal! 7-7, let's go les boys! Sept, 6 minutes 06 au corps. Quatrième corps. Donc 6 minutes aussi avant la fin du match. Araya qui donne un défi aux joueurs d'Adriatico. Oh, c'est une belle feinte pour la passe au centre. Oh, top de Witt. Bien joué Adam. Il n'a pas vu venir, on dirait, mais il a quand même réussi. Son arrêt. Adrien à Zanik. Qui passe à Stéphane. Qui passe à Nick. Qui passe à Théo. Qui s'est nagé dessus pour sa faute. Il fait 5 secondes. Shoot outside the net. Le gardien a fait la passe. Si le bug nous a permis de capturer ce double save. J'espère que oui. Oh, merci le poteau. Let's go. Donc je répète, 7-7, quatrième corps, dernier corps. 4 minutes 37 restants. Au match. On est en double extra pas mal. Théo, il faudrait qu'il revienne. Là. Ouf! Bien joué, Vinny! Parce que on était clairement baisé sinon. Là. C'est beau but de la part de Vincent le mystérieux. Permis Laval d'avancer d'un but. Take the lead. 8-7. Oh! Steph Plano au centre. Ah non. Araya avec l'expulsion au centre. Désavantage. Un arrêt, ce serait formidable. Pour garder le momentum de côté. Ah. Donc ça ramène à 8-8 le score. Stéphane prend sa faute. La passe en arrière à Vincent. Pas en arrière, mais derrière Vincent. À Gab. Qui est pas mal tout seul. Let's go Gab. Ah. Ça c'est définitivement le troisième pour Gab.
table, je suis commencé le drapeau rouge. C'est impressionnant. Il y a eu un tir, rebound, ils ont eu un deuxième attaque, ça a sorti. Entre temps, Guillaume t'a sorti à appeler. Ça a gagné à Vincent. Vincent, un peu trop haut. Match. Oh, beau save. Bien joué, Adam. 8-8 encore. Faut aider la balle. Bien. À Francis. Qui donne à Nick. 5 secondes qui restent. Qu'est-ce que Nick va faire? À Frank, faut tirer, big. Faut tirer, big. Ben non, il dit un tir, pas un lob, le gros. Let's go, Nico, let's go, Nico. Ah oui, ah oui. Time out, on se voit. Donc il reste 57 secondes au match. 8-8 encore. Stéphane prend sa faute. Donne à Francis. À chaque fois, Francis, à chaque fois. Faut que tu changes ton move, le gros, là. Quand tu vas apprendre. Pourquoi être seul, les? Pourquoi être seul? Oh oui! Les longs bras, Stéphane, save the day! Adam qui monte avec le 19 secondes qui reste. La passe à Frank. Let's go, Frank. Il reste 10 secondes. Adam, tout seul en avant. 5 mètres, let's go! Let's go! Let's go! Let's go, 5 mètres. Adam pour le 5 mètres. C'est Vincent qui le voit. Let's go! 4 secondes restant, 9-8 Laval. Grâce aux 5 mètres que Adam a réussi à avoir. Let's go. 4.7 secondes. Une pause. Let's go. Oh shit, ma bête. J'ai pas bien gardé. 9-8. Bien joué les boys.